Plus féline que jamais dans le rôle de Catwoman, Halle Berry sort les griffes sur B1. Face à elle, la tigresse Sharon Stone ronronne d'impatience. Christopher Walken est la honte de la jungle. L'acteur nommé The Rock est le nouveau Tarzan. Bienvenue sur Biciné 1. Pas une semaine qui passe sans un nouveau péril qui s'annonce pour Jack Bauer. Aucune absence ne sera tolérée pour cette rediff sur Biciné 2. Avant toute chose, les amateurs de foot belge et européen feront le crochet par Bisport 1 pour les dernières nouvelles. La saison de NBA vient à peine de recommencer et déjà, c'est un gros morceau qui vous attend sur Bisport 2. San Antonio, Cleveland. Bonne soirée sur BTV. Tout, nez encombré et inconfort engendré par un rhume, faites confiance à Vicks Vaporub. Vicks Vaporub, la nature à vos côtés. Les arts ménagers de Charleroi, c'est 16 jours pour faire de bonnes affaires, plus de 500 exposants et une foule d'animations. Un invité d'honneur, la région Wallonne fête ses 25 ans. Une exclusivité, le concours Lépine et ses inventeurs. Une découverte, le village du commerce équitable. Et bien sûr, tous les jours, de nombreux cadeaux à gagner. Du 29 octobre au 13 novembre, c'est à Charleroi Expo. Et nous allons recevoir dans quelques instants des invités exceptionnels. Bon, j'ai jamais dit le contraire en même temps, ils sont toujours exceptionnels. Avec Muriel Cousin, Éric Zemmour et Ariel Wiesmann. Muriel, quand on dit son nom, elle tourne le dos comme ça. Non, mais elle monte son profil. Et ça tombe bien, Ariel. Vous me tendez une perche là. Parce que si j'arrête vous dis... pas de vous entendre. C'est mon métier. Si je vous dis sexe faible, machisme, féminisme et féminité, dont elle est, Muriel est l'incarnation. Et si la solution ne serait pas que les femmes prennent enfin le pouvoir dans ce pays. Elle l'avait, oui, bah elles l'ont, mais pas forcément en politique. Hein. Ce soir, sur le plateau de Vendredi Pétante, ce sont les femmes et ceux qui les aiment qui seront à l'honneur. Et pour en parler, alors nous allons recevoir Elisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, un département qui fait beaucoup parler de lui, qui sait précisément ce que femme et pouvoir signifient. La sublime et délicieuse Arielle Dombasle. Voilà qui, elle, aime les femmes, eh bien, un petit peu hollywoodiennes des années 40 et 50. Elle n'est pas forcément pour l'égalité des sexes. Et puis, celui qui aime les femmes, il aime les femmes de pouvoir aussi, c'est Doc Gynéco. Et les femmes le lui rendent bien. Et j'ajoute, et c'est pas du luxe, hein, j'ajoute que nous aurons la chance d'avoir un duo afro-latino à Randy, je sais pas quoi d'ailleurs, Ricky Martin. Non. Avec Améry. Waouh. En live. À
Alors, femme de pouvoir, femme au pouvoir, ce sera ce soir le fil rouge de notre émission. Mais c'est dans un instant, juste après la pub avec nos invités. Jamais sans les autres, jamais sans Star. Mobistar. Pas encore le nouveau catalogue Bureau Market. Découvrez un choix énorme de mobilier de bureau avec livraison et montage gratuit en moins d'une semaine. Pour recevoir votre catalogue gratuitement, rendez-vous sur bureaumarket.com. Cut! Oh, for fuck's sake. Actually, is he pissed or mental? She's got cerebral palsy. No. Not... You are guaranteed an Oscar if you play a mentor. See you later. Cheers. Sorry. Sorry. Okay, we cut there, thank you. I've seen Titanic like 5 times, hasn't it? Oh, that's sweet. Have you seen Titanic? Yeah. Great. Oh. Sorry. Les, cover it up, mate. Être figurant, figurez-vous que ça peut être très marrant. Acteur déçu, Andy Millman court les castings pour tutoyer et surtout taquiner les stars. Extra, demain en clair à 12h45 sur B1. Jamais sans les autres, jamais sans Star. Mobistar. Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. Comme promis, nos invités nous rejoignent. Je vous demande d'accueillir celle qui n'est pas femme à rester dans l'ombre de son philosophe de mari. Elle joue la comédie, elle danse avec un corps sublime, elle chante tout aussi bien les airs de son enfance. C'est la chicana Ariel Dombal. Il est le rappeur amoureux de la jante féminine. On verra ce soir si elle le lui rend bien. Voici Doc Gynéco. Elle connaît les coulisses du pouvoir et nous dira que ce n'est pas forcément facile d'y être une femme. Voici Elisabeth Guigou. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors, Doc Gynéco, on peut difficilement faire deux êtres plus différents. Oui. Et en même temps, question. Cheveux longs tous les deux. Oui. Ouais, alors, et... cheveux longs et des courts. Et Elisabeth Guigou qui nous rejoint. Alors, ça va. C'est votre Bruno. Vous êtes. Attendez, faites des gros plans sur les retrouvailles Guigou, Doc Gynéco. Non, parce que là vous êtes au paradis, Bruno. Moi, je me souviens. Vous avez, c'est une de vos déclarations. Oui. Je suis tombé amoureux fou d'Elisabeth Guigou. J'adorerais la direct là. Ah bah oui, oui parce qu'attendez, on est à réunis. Mais c'est vrai que vous êtes lié abonné à la chaîne parlementaire pour voir Elisabeth Guigou quand elle était garde des Sceaux. Mais dites-le, bon sang, dites-le. J'adorais la voir. Au milieu de tous ces machos, j'aimais sa manière de contrecarrer les gens,
les bonhommes là-bas, je la trouvais très forte. Vous avez dû être déçu parce que sur la chaîne parlementaire, on la voit pas souvent. Hein. Ah si. Ah bon. Il en reste. Pas assez. Pas assez. Ah, oui. Ah, oui. Vous dites. Il y a le lancement de la chaîne XXL. Mais c'est j'adorerais l'inviter à dîner. Vous disiez, j'adorerais l'inviter à dîner. Je lui ferais porter une robe Lolita Lempicka. C'est beau comme une chanson. Hein. Le tailleur, ça suffit. On irait dans un grand restaurant, on mangerait de bonnes asperges. Alors, je vois pas le lien, moi. Je vois pas le rapport entre la robe et les asperges. Vous aimez les asperges, Elisabeth? Oui. 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 Oui, non, vous étiez mordu là. Oui, j'étais amoureux de Madame Guigou, mais de son charisme. J'adorais l'entendre parler parce que elle les mettait les garçons à leur place et ça me faisait triper. Ça me faisait... C'est comme une maman pour moi. Alors Elisabeth Guigou, l'idée progresse, dites-vous. Vous l'avez dit, c'est allé dans une interview, l'idée progresse qu'un jour, et plus vite qu'on ne le croit, une femme sera présidente de la République. Mais quand vous voyez le mal, par exemple, Ségolène Royal a annoncé qu'elle pourrait éventuellement être candidate en 2007, vous avez vu la bronca que ça a provoqué chez les hommes politiques? Ouais, mais c'est absolument insupportable. Espèce de déferlement de machisme. Alors Ségolène a dit que peut-être, si on lui demandait, si elle était sollicitée, vous savez, vraiment, absolument. Et en plus, ça vient de gens enfin, qui me sont proches, puisque ça vient de socialistes. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument intolérable. Ça ne devrait plus exister, ça. Est-ce qu'elle en qui joue va garder pas les aussi, enfants? Est-ce comment... qu'elle en joue pas, la Ségolène? Elle attend ça, elle provoque ça, elle en joue à chaque fois. Non, c'est... Ah, vous êtes le style, mais à chercher à se faire non, violer. Non, mais c'est Ségolène Royal, on la connaît depuis 10 ans, elle en joue à chaque fois avec habileté. Non, mais je crois, écoutez, que on a d'abord les femmes, hein, elles ont le droit d'être candidates à des choses qui jusqu'à présent étaient réservées aux hommes. Il va falloir que les hommes se fassent une raison, monsieur Zemmour. Mais quelles sont les meilleures... Alors, les femmes, selon vous, elles ont des qualités plus utiles. Par exemple, elles calment le jeu plus facilement, elles font moins de la provocation. Quelles sont leurs armes pour remporter des postes clés et pour être de meilleures présidentes que les présidents? Écoutez, moi je pense que les femmes, elles aiment pas les bagarres de cours de récré. Voilà. Elles pensent qu'il y a mieux à faire que de se disputer en permanence et d'avoir des querelles personnelles, d'ailleurs dérisoires. Hein. Et donc elles sont plus dans qu'est-ce que je peux faire d'utile, qu'est-ce que voilà. Plus concrète. Alors, hein. Oui. C'est ça. Alors, maintenant, il ne faut pas non plus dire, parce qu'on est une femme, on va nécessairement faire mieux que les hommes. Mais elles sont plus concrètes, elles vont droit au but. Mais Ariel, je vous sens très proche de ces idées. Vous pourriez, vous... Ah non, non, mais j'admire beaucoup. Comment vous avez fait pour sentir ça? C'est incroyable. J'ai vu l'œil d'Ariel Dombasle qui dit un truc, disait... Il a raison, les femmes, elles ont... Non, non, mais j'admire énormément Elisabeth Guigou, qui, en plus d'être absolument remarquable, a dû, en effet... En plus, devoir affronter le fait qu'elle était très belle, alors femme, et en plus belle, alors ça, c'était trop. Et puis, la France, on lit ça dans les statistiques, mais on est vraiment les derniers. Les femmes ont très peu de postes d'importance. On est dans tous les pays européens. Celles qui ont le moins élevé. En Espagne, c'est la moitié du gouvernement, quasiment. Hein. Oui, et puis... Et partout en Europe. Voilà, partout en Europe. Alors, Ariel, vous avez un point commun avec Elisabeth Guigou, c'est que toutes les deux, on vous a envoyé à la figure la même insulte, poupée Barbie. Vous, c'est Edith Cresson qui avait dit ça de vous, hein, rappelons-le. Elle a dit que non. Hein. Elle a dit que non. Bon, elle a démenti. Très bien. Vous, on vous a pendant longtemps, Ariel, traité de poupée Barbie. Oui, c'est vrai. C'est C'est-à-dire qu'on s'y habitue. Mais moi, ça a commencé dès l'âge de 8 ans. Donc maintenant, je me suis habituée. Oui. Voilà. Vous voyez, comme d'ailleurs, peut-être la poupée Barbie a été faite sur votre modèle. Vous voyez que c'est Cresson. Elle est beaucoup trop jeune. C'est Cresson elle-même qui vous a traité de poupée Barbie. Donc vous voyez, entre femmes aussi, ça... Il n'y a pas que dans l'action, ça, où il y a aussi la guerre de récréation, les femmes connaissent aussi. On lui a prêté ses paroles, mais moi, j'en reste à ce qu'elle m'a dit tout de suite, dès qu'elle a vu ça publié dans le Canard enchaîné. Elle m'a appelé immédiatement et elle m'a dit, Elisabeth, je vous demande de me croire. Jamais je n'ai dit une chose pareille. Donc moi, je préfère croire Edith Cresson que le Canard enchaîné, voilà. Très bien. Et Bruno, vous arbitrez, vous êtes Ken, vous. Ce soir, il est le petit Ken, oui. J'aimerais beaucoup parler avec Elisabeth... de ce qui lui tient à cœur dans le comment s'appelle dans le 9-3 comme on dit chez nous. Oui. En fin de samedi. D'accord, ouais. Bah on va le faire publiquement, hein, on va éviter de vous envoyer au restaurant tout de suite. Justement,
Moi, j'ai sous la main, Elisabeth, c'est un événement considérable, deux personnalités qui sont capables de rassembler et de calmer le 9-3. Je les ai fait venir de New York spécialement. Il s'agit de Ricky Martin et d'Améry en live. Dans du lourd, Améry, Ricky Martin. Alors je veux dire, j'étais déjà fan de son père, Jack Martin, mais alors lui, Ricky Martin, c'est incroyable. Améry, I feel really shy because you're so beautiful. You're a beautiful guy. No, it's okay, no problem. It's okay. How does it feel to be such a beautiful guy? Any girl here would go out with you? What do you think? Qu'est-ce que ça fait d'être aussi beau? Toutes les filles voudraient sortir. You're very beautiful. And the thing, you're very beautiful. Alors, ils parlent un peu entre eux. Ils disaient, t'aurais pas dû faire ça quand on a été au McDo. C'est vraiment, on rentre dans l'intimité de ces gens. And a lot of collaborations in this album, but I think that the goddess is Améry. Alors il dit voilà, il y a beaucoup de collaborations, mais la déesse est Améry. Thank you for the other ones. Donc merci, je dis pour les autres. C'est la vérité. You have to know that if you come back to Paris, I'll find you a good hotel and you can stay at my place. Merci Ricky Martin et merci Améry. Je vous rappelle l'album de Ricky Martin, Life,
Voilà, avec I Don't Care, le premier titre que nous venons d'entendre. Elle est très sympathique, cette Améry Poulain. Elle est adorable. Rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'est un beau couple. C'est incroyable. Ah, oui, oui. Alors, Elisabeth Guigou, on le sait peu, mais en fait, vous êtes une enfant du soleil. Vous êtes née au Maroc, à Marrakech. Vous avez fait une partie de vos études à Rabat. Et vous gardez, dites-vous, le souvenir d'un pays moins rigide qu'en France. Un pays où c'est tout à fait normal, disiez-vous, que les femmes travaillent déjà. Au fond, est-ce que vous avez le sentiment, en regardant le Maroc, j'imagine que vous avez gardé des liens très proches, que la société bouge et évolue dans ce sens ? Au Maroc, quand j'y étais en étant enfant, évidemment, il y avait des communautés assez séparées. Mmh. La remarque que je faisais sur le travail des femmes, c'était les femmes des Français qui étaient là-bas. Mmh. Alors maintenant, c'est vrai qu'au Maroc, ça change et qu'il y a de plus en plus de Marocaines qui sont vraiment dans la vie active, qui sont tout à fait, qui vivent comme vous, comme moi, et qui prennent des responsabilités. Il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes dans les syndicats, il y a des femmes ministres. Bon, tant mieux, il y en a encore trop peu. Mais je pense que c'est un pays qui a un grand avenir. D'abord parce que, comment vous dire, les gens là-bas, ils sont... Ils ont une sorte de gentillesse spontanée, d'énergie, d'envie d'être dans la modernité aussi. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois cet art d'être dans les traditions et dans la modernité, en même temps. Ariel Sabine, vous connaissez bien aussi. Oui, moi j'aime beaucoup Vous le retrouvez Maroc. Quand vous êtes à Marrakech ou à Tanger on devrait se retrouver, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que le Maroc, c'est vraiment le pays de l'islam modéré des Lumières. C'est formidable. Mmh. Les femmes travaillent. Et puis le roi, dernièrement, a fait passer un amendement très important contre la répudiation donc, des femmes. Il a changé la Moudawana, la loi de famille. Et ça, c'est tellement important. Mmh. Et donc c'est vrai que les femmes marocaines sont charmantes, dynamiques et très inscrites dans la société. On n'en voudra pas à Doc Gynéco de trouver que le Maroc, par exemple, bon, c'est le premier pays producteur de cannabis, et on vous présente, vous, souvent, comme le porte-parole d'une jeunesse qui fume du cannabis. C'est la frontière de tout... Vous êtes pour la dépénalisation. C'est la frontière, pour moi, de tous les vices, même celui d'essayer de rentrer en France sans papier. Alors, c'est un vice pour vous. C'est une vie qu'on essaye de mener et j'ai essayé, moi, derrière le Maroc, de voir ce qu'il y avait en dessous et j'ai vu tout de suite, sous le Moyen-Orient, j'ai vu l'Afrique noire et j'ai vu une émission sur une chaîne concurrente qui m'a vraiment touché avec des gens qui essayaient de passer des barbelés pour venir chez nous, au Maroc, en Espagne. Stéphane, beaucoup de gens me disent il a changé Doc Gynéco. Où est l'ancien Doc Gynéco? Il est avec moi, tout simplement. On va voir s'il s'exprime plus vite ou plus lentement que celui qu'on a sur le plateau. Chaque semaine, je vous propose de voir l'image que nous avons choisie. C'est l'image de la semaine. C'est une image des très violents affrontements entre jeunes et policiers que la ville de Clichy-sous-Bois et d'autres cités, d'autres départements de la région parisienne connaissent depuis 6 jours. 519 voitures ont été brûlées, 27 bus détruits en Ile-de-France pour la seule nuit de vendredi à samedi. Alors qui a gagné la Seine... Alors de jeudi à vendredi, la Seine-Saint-Denis, dont vous êtes Elisabeth Guigou, l'une des députées, hein. C'est l'embrasement des banlieues. Alors, je pense qu'on peut quelques minutes s'arrêter sur cette énorme responsabilité. Éric, on va peut-être en parler. On peut être sérieux sur ce sujet parce que c'est un sujet grave qui... Si vous voulez, on peut d'ailleurs attaquer sur un sujet, sur un angle moins sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un côté ludique dans cette histoire. Il y a un côté de rivalité mimétique, de rivalité médiatique. C'est à celui qui passera aux 20h. C'est la guerre des images, vous voulez dire. Exactement. C'est à la bande qui brûlera le plus de voitures. Il y a un côté comme ça, rivalité mimétique. C'est on n'est pas des bouffons, nous aussi, on va passer au journal de 20h. Ça, c'est le côté, si j'ose dire, le plus ludique. Et derrière, il y a des choses très graves. Il y a d'abord tous ceux qui essayent de récupérer
qui essayent d'exploiter. Alors, on l'a vu le plus évidemment en politique. On a vu immédiatement la guerre entre Sarkozy, Villepin. Villepin qui lançait son ministre écule, Azouz Begag, mordre les mollets de Sarkozy. Chacun faisant un positionnement à droite, à gauche. Mais il n'y a pas seulement les politiques. On voit, par exemple, on a vu les maires se plaindre, les maires des villes, et dire que les jeunes étaient très bien organisés, qu'ils savaient comment éteindre. On voit bien qu'ils sont également manipulés par toutes les bandes de trafiquants de drogue qui ont là leur terre. Et ça fait 20 ans qu'on le sait. Elisabeth Guigou le sait mieux que quiconque. On sait bien qu'on a laissé faire ce trafic de drogue parce que ça permettait de faire vivre ces banlieues. C'est une économie parallèle, ce que vous voulez dire. C'est même plus qu'une économie parallèle. Il y a l'aide sociale que l'État distribue pour acheter la paix sociale, et il y a aussi le trafic de drogue qui arrose, si j'ose dire, beaucoup de familles et qui les fait vivre. Exactement. Oui. Et puis il y a aussi les imams. On a vu, chose incroyable, les imams jouer les médiateurs. Depuis quand la République va-t-elle chercher des personnages religieux pour jouer les médiateurs? Il y a tout un ensemble de gens qui se greffent comme ça sur cette fureur, sur cette... Parce qu'il y a une colère qui est légitime à la base, qui est le désœuvrement des jeunes. À la base, il n'y a personne qui puisse ressentir vraiment le problème, à part peut-être Elisabeth ou...